Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de faire un fondant au chocolat avec les œufs au chocolat. Je suis aidée par mes deux petits loups, Grégory et Baptiste. Alors, il vous faut 200 g d'œufs au chocolat. Hein, on recycle, on recycle. C'est important. 3 œufs, 50 g de crème liquide. 40 g de sucre, 60 g de farine et 60 g de beurre. Nous allons commencer par mettre à fondre le beurre avec le chocolat. Un petit récapitulatif. Donc, Grégory va mélanger avec Baptiste les ingrédients. On va mettre les œufs et le sucre. Alors, quand les œufs et le sucre sont mis, on mélange bien avec un peu d'entrain. J'ai le petit qui est jaloux. Quand c'est bien mélangé, nous allons rajouter la crème. Un plat. On mélange et on va rajouter la farine. Alors vous voyez, c'est des superbes aides. Hein. Ils font tout, ils en mettent pas trop d'à côté, un petit peu quand même, vous allez voir. Allez, on tourne bien pour que ça soit bien lisse. Donc notre chocolat et notre beurre ont bien fondu. Nous allons mettre dans le mélange le chocolat et le beurre. Donc c'est le chocolat des œufs de Pâques que mes enfants ne mangent plus. Au bout d'un moment, ils en ont trop eu. Voilà. Donc quand c'est prêt dans un plat que vous avez beurré et fariné, vous allez mettre la préparation. Vous avez fait préchauffer votre four à 180 degrés et vous allez l'enfourner pour 25 minutes. Au bout de 25 minutes, voilà le résultat du gâteau. Regardez comme il est beau. Donc, on attend bien qu'il soit froid pour le démouler. Voilà, là je l'ai démoulé. Je vais juste mettre un petit peu de sucre glace par-dessus et je vais le découper pour vous. Voilà, il est découpé. Alors, il est super beau. Voilà, merci. Abonnez-vous, likez, partagez. À bientôt.